Alors Valérie, bonjour. Bonjour. Alors montre-nous un petit peu les nouveautés de chez Marocchio de cette année. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? D'accord. Alors donc les nouveaux pelets expandeurs en fait. Donc en fait deux couleurs cette année. Donc blanc et jaune, voilà, qui ne sont pas très nourrissants. La facilité, c'est de les mettre dans l'eau. Au bout de quelques secondes, une dizaine de secondes ou 30 secondes à peu près, ils vont gonfler. Voilà, donc ils sont faciles de préparation. Ensuite, au bout de quelques secondes, donc une trentaine de secondes, on peut les mettre directement à l'hameçon. Voilà. L'avantage, c'est que sur un hameçon, sur un petit ou un gros hameçon, si vous voulez, donc on peut les mettre facilement à l'hameçon. Ils vont tenir très très bien. Voilà, donc après, ce qui est important, c'est qu'on peut en mettre plusieurs. Soit on peut en mettre un, si on va rechercher des petits poissons, style des gardons ou des brèmes. On peut en mettre 3 ou 4 ou 5 ou 6 en fonction de la taille des poissons qu'on recherche, par exemple pour les carpes aussi. L'avantage de ce produit, c'est que sur l'hameçon, lors d'un ferrage, il va rester et il va rester sur l'hameçon. Donc il va pas, en fait, à chaque fois, on va pas être obligé à chaque fois d'en remettre. Donc ce qui est vraiment un avantage important lorsqu'on fait des compétitions. En plus, voilà. C'est une densité très très légère, donc la descente à travers la couche d'eau est également très lente. Tout à fait, on peut pêcher sur la couche d'eau, on peut pêcher sur le fond, on peut pêcher entre deux eaux aussi au moment des températures assez élevées. Quand par exemple on peut pêcher les amours blancs en surface aussi, ça va être une neige qui va être vraiment très très intéressante. Elle existe en deux couleurs, je crois. Hein. Oui, en deux couleurs, donc aussi pareil, la même chose, mais en jaune. Hein, en jaune. Donc, au moment des maïs, quand le maïs est dans les champs, à mon avis, ça va être très très important d'avoir cette neige aussi. Je pense que ça va être hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une neige qui va permettre aussi bien de prendre des petits poissons, du gardon en les montant sur un hameçon de bain par exemple, ou alors sur de la carpe, on en manque 5 aussi, sur un hameçon voilà, de 8. Voilà. Donc même pour la carpe, hein, sur des hameçons de 20 aujourd'hui, la particularité, c'est que dans les carpodromes, on a tendance à pêcher avec des hameçons qui sont du 14 voire du 12, et à mon avis on peut faire la différence aujourd'hui avec des éches comme ça en pêchant avec des hameçons de 20 assez forts de fer, et là à mon avis on peut aussi prendre des gros poissons style des carpes ou même des spécimens, il n'y a aucun problème. Hein. Oui, c'est vrai que beaucoup de pêcheurs dont j'en fais partie ont eu toujours peur de descendre un petit peu dans la taille d'hameçon, pensant que l'on ne peut pas prendre un poisson de plus de 5 kg avec un hameçon de 20, alors que c'est parfaitement possible aujourd'hui. Avec les élastiques fins que l'on a dans les kits, hein, par exemple. Et le problème, c'est que les carpodromes sont de plus en plus pêchés, les poissons sont de plus en plus pris, et donc il faut trouver des éches qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et c'est pour ça que les expandeurs Marocchio sont des produits innovateurs et qui peuvent faire la différence. Et en pâte également, j'ai vu que cette année, il y a pas mal de nouveautés également. Oui. Donc dans des nouvelles pâtes. Oui, donc cette année, on a des nouvelles pâtes à base de gluten. Donc, qui sont par exemple ici, on a celle-ci, donc c'est une pâte qui va tenir très très bien à l'hameçon. Le mouillage, c'est 1 pour 1, donc une dose de farine et une dose d'eau. Ça va avoir une tenue assez longue à l'hameçon, mais qui va diffuser lentement dans l'eau. Donc c'est une éche, hein. Par contre, il faut l'associer à un amorçage au préalable. Ensuite, c'est à base de patates douces. Donc ce qui fait que donc c'est des produits à base de gluten, patates douces, qui vont permettre de tenir assez longtemps l'hameçon, et ensuite qui ne vont pas nourrir beaucoup les poissons. Donc sur des zones de poissons, encore une fois, qui sont surpêchées dans les carpodromes, ça aussi, ce produit peut faire la différence. Et ça existe également donc, dans une version un petit peu plus fruitée, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc celui-ci, donc à base, avec des petits sachets à l'intérieur. Qui donc, permet le dosage au niveau de l'eau, voilà. Voilà, donc on a des petits sachets comme ça. Donc celle-ci est à base gluten fruité, donc qu'on va utiliser beaucoup plus, même l'hiver. Hein, j'aurais tendance à dire que souvent, on veut utiliser les fruits l'été. Alors que l'hiver, ça marche très très bien. Vous mettez donc votre dose de farine dans un petit récipient. Vous mettez à la petite limite ici d'eau, voilà. Et donc vous versez, vous mélangez tout doucement et vous obtenez une pâte qui va diffuser dans l'eau. Voilà, donc c'est assez fibreux, donc ça tient à l'hameçon. Voilà, donc et ça diffuse malgré cela. Et c'est très fibreux et ça va travailler très très lentement dans l'eau. Vous allez voir des micro-particules qui vont se détacher. Ce qui fait que ça va donner une émulation sur les poissons. Donc souvent, les petits poissons vont arriver dans les petites particules. Et souvent, les gros poissons vont être attirés justement
pour avaler donc les plus grosses particules. Et ce produit-là aussi peut faire la différence sur des zones très très pêchées. Oui, il est vrai qu'actuellement dans les carpodromes, les poissons deviennent de plus en plus éduqués, donc il faut être de plus en plus malin, et c'est vrai que c'est peut-être une des solutions pour justement tromper leur méfiance. C'est une éche aussi qui peut aussi faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui le maïs, c'est vrai que les poissons ont vu beaucoup de maïs, beaucoup de pelets, beaucoup de choses comme ça, et ce genre de produit, à mon avis, aujourd'hui, ça peut marcher. Après, c'est de savoir et de trouver un petit peu l'utilité, le moment, la bonne saison, le bon parfum, pour justement essayer de travailler sur ce produit-là. Par contre, tu as parlé de maïs. Moi, j'ai une petite expérience de ce maïs, donc lors du Milo Day l'année dernière, oui, où tu m'avais donné quelques grains. Mm-hmm. Et il est vrai que tu prends souvent, enfin personnellement, j'ai pris plus de poissons avec du maïs artificiel que le maïs réel. Avec un grand avantage, c'est que quand tu fers, ça reste au bout de l'hameçon. Oui, oui. J'avais ma voisine de gauche qui avait mis du maïs normal. Il y avait beaucoup de touches, donc souvent quand elle ferrait, ben, le maïs restait dans l'eau, alors que moi quand je ferrais, ben, ça restait au bout de l'hameçon. Mmh. Donc, ce qui m'a permis de gagner de pratiquement 18 kilos sur ma voisine de gauche, qui était une bonne pêcheuse. Mmh. Et c'était simplement dû du fait que tu n'avais pas besoin de rentrer, de sortir à chaque fois. De changer d'éche à chaque fois, et c'est vrai que c'est un polymère qui est bourré d'attractants, bourré d'acides aminés qui vont diffuser énormément dans l'eau. Donc ces effluves vont permettre au poisson en fait de le prendre dans la bouche et de ne pas le recracher. Donc il existe aussi donc plusieurs couleurs. Il existe du blanc, du jaune. Il existe également et aussi bien sûr des asticots, des magotes qui existent aussi en quatre couleurs, donc du orange, du rouge, du jaune et du blanc. Donc la même particularité avec donc bourré d'acides aminés, des choses qui sont énormément boostées où les poissons justement l'ont dans la bouche et le recrachent pas. Et moi je les utilise également souvent tout simplement au filet ou aux méthodes, donc ça permet d'avoir un lancer relativement appuyé. Bien sûr. Et là aussi une attractivité qui est très grande et une visibilité parce que les grains restent bien visibles. Et c'est vrai qu'on a toujours cette impression qu'on a quelque chose au bout de l'hameçon, et ça c'est très important parce que souvent quand on pêche par exemple avec un asticot normal ou un maïs, on ne sait pas si on a l'éche au bout de l'hameçon, et là on est sûr que ça tient vraiment bien à l'hameçon. Absolument. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, il y a toujours encore les autres produits que vous bien connaissez sûr, tous. Bien hein, sûr. Les fameuses EFG qui ne sont plus à présenter. Mais disons, toute cette gamme je pense qu'il y a de belles promesses et de beaux essais à faire cette bien saison. Bien sûr, je pense qu'il y a des belles pêches à faire avec ces produits cette année encore. Et moi, je pense également entre deux eaux, avec ce genre de flotteur, par exemple, en prenant juste une petite boule de pâte ou de gluten, mm-hmm, et pêcher entre deux eaux, où on voit donc très bien la diffusion, comme on voit dans les films japonais, donc dans mm-hmm les reportages japonais, où on voit la pâte qui, fur et à mesure, se délite. Moi, je pense qu'entre deux eaux, avec un petit micro-amorçage, il y a également une pêche intéressante. Oui, sur des eaux un petit peu chaudes, voilà, ça peut être très, très intéressant. C'est une pêche, somme toute, à l'égrenage, qui peut être très intéressante. Ou aussi sur le fond, hein, avec justement toujours les EFG, où on voit le flotteur qui remonte tout doucement jusqu'à temps qu'on voit cette antenne qui ressort pour voir qu'on n'a plus de pattes et à nouveau pour remettre. Ce sont vraiment des appâts à poissons, c'est ça qu'il faut retenir. Et on peut faire vraiment la différence avec ce genre de produit. Oui, je crois que ça, c'est un petit peu le secret aussi, c'est-à-dire la pêche à la pâte, ça permet d'amorcer le coup avec de très petites doses de pâte. Ça permet de varier un petit peu les éches aussi, parce que de toute façon, aujourd'hui, dans les carpodromes, il faut avoir des éches totalement différentes. Par contre, il est vrai que rien qu'avec une ou deux boules de pâte, moi je le remarque souvent quand je fais un petit essai en aquarium, ben, finalement, on amorce quand même pas mal. Hein. Bien sûr. Il y a quand même pas mal d'amorce au fond. Pas mal, c'est-à-dire une surface relativement importante, et ça permet donc de ne pas nourrir le poisson, de ne pas le gaver, voilà, et justement de faire différents coups pour essayer d'espérer de trouver le ou les poissons supplémentaires, bonus, qu'on a besoin pour gagner. C'est vrai que l'amorce, même si le jour où l'amorce et la pâte maroquue quelquefois peut ne pas fonctionner, mais par contre ce que vous aurez mis au fond, ce sera jamais perdu. Donné, il y aura forcément un passage de poisson sur cette amorce, donc même si vous pêchez avec un maïs, même si vous pêchez avec un pelet ou une autre éche, quoi qu'il arrive, l'amorce que vous aurez mis au fond va servir pour plus tard, parce que bien sûr les poissons, c'est eux qui décident, ils décident de manger tel appât tel jour, et ce jour-là peut-être que voilà, ils vont prendre l'amorce, que la pâte, mais aussi une autre éche au milieu justement de l'amorce, quoi.
Et un autre dernier petit message que je voudrais faire aux pêcheurs, c'est surtout de croire à ce qu'ils font. Souvent, les gens essayent quelque chose et après 10 minutes, ils disent « Ah, de toute façon, je change, ça ne marche pas. » Donc, je crois que le mental est là, tu es bien placé pour nous le dire. Quand on a vu donc, ta pêche au championnat du monde, où à un moment donné, le mental était plus fort que tout le reste. Donc, il faut croire à ce que tu fais et continuer d'y croire, justement, pour qu'à un moment, ça marche. Parce que si on abandonne trop tôt, bah, souvent, on fait un choix tactique et ce choix, il faut y croire. Bien sûr, c'est vrai que sur une pêche qui va durer 4 heures ou 5 heures, on peut se permettre d'insister un petit peu plus longtemps et de continuer à croire à ce qu'on va faire. De toute façon, aujourd'hui, la pêche, ce qui est très important, c'est de la créer et de la faire évoluer. Moi, souvent, quand je pêche au JPZ, par exemple, on en avait parlé une fois, donc moi, je pêche beaucoup avec du rouge et du noir, et je t'avais dit, moi, avec le vert, moi, je n'ai pas trop de résultats. Et l'année dernière, à un moment donné, ben, je me suis trouvé, j'avais plus que du vert, j'avais oublié les deux autres, et j'ai mis du vert, et comme par hasard, j'ai aussi pris des poissons avec du vert. Mais ça aussi, on remarque des fois, on met un rouge, on pêche pendant une demi-heure, on n'a pas de résultats, on met un noir, et puis là, on fait un poisson. Il ne faut pas hésiter à changer d'èche régulièrement, et à faire une panoplie d'èches, il n'y a pas de problème, au contraire. Et puis trouver ce jour-là, ce poisson-là, ces poissons-là mangent tel type d'èche. Ça peut être un JPZ, ça peut être un magot, ça peut être un maïs, ou ça peut être aussi un pelet. Voilà. Vous déplacez la plombée, changer de diamètre d'hameçon, parce qu'on a un fil d'hameçon, de flotteur. Donc c'est quand même beaucoup de choses que l'on peut tester pendant quelques heures. Il y a beaucoup de facteurs et en fonction de tous ces facteurs, ça peut être aussi bien sûr la pâle, l'élastique, le fil, etc. Mais voilà, ce qui est important, c'est de trouver le jour J comment les poissons mangent et ce qu'ils ont envie de manger. Merci beaucoup Valérie, bah, je te souhaite une bonne saison 2016 et puis essaye de monter sur ce podium que l'on te souhaite tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Valérie pour toutes ces explications. Au revoir et à bientôt au bord de l'eau.